Alors, Encom, nous sommes ici au village nordique. Voilà. Avec Yonen qui va nous expliquer exactement quel est le principe et comment ça marche. Ok, ça va. Bon, bonsoir à tous, bonjour à tous. Le village nordique, en fait, c'est des installations, c'est 7 installations de designers de Montréal. Et il faut voter pour l'installation qu'on préfère, en fait, c'est le principe est simple. Donc, d'accord. On fait le petit tour du site. Et ensuite, voilà. Et ensuite, on vote pour l'installation qu'on préfère. Et okay. À l'aide de l'autre, vous voyez, on n'a plus beaucoup parce que c'est la fin de la soirée. Donc en fait, ah oui. Et ensuite chaque... vous avez la carte. D'accord, avec le designer et son voilà, le nom de l'œuvre. Son et, le numéro qui va avec la boîte de viande. Et ensuite juste de prendre un jeton et de le mettre dans la boîte. Ok, donc si vous avez bien compris les amis, il faut prendre le jeton et le mettre dans la boîte pour élire le meilleur igloo élaboré et dessiné par le designer dont est mentionné le nom ici. C'est ça? C'est ça. Ok. C'est un peu laborieux, mais voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup, Yonen. Ouais, merci. Merci. Alors maintenant, on va faire un petit tour. Suivez-moi. Alors. Nous avons. Ici. Charlie le Yeti. La camaraderie. Hein? Tout en lumière, voilà. Vous voyez? C'est sympa. Ok, on continue le circuit pour voir quel igloo nous plaît le plus. Alors, on va passer au numéro 3. Numéro 3, alors c'est Magtogoek. Voilà. Donc, signifie la rivière qui marche en algonquin. Ça s'inspire de l'habitat autochtone et de son rapport à la nature. Cette construction questionne la disponibilité et la proximité des matériaux autrefois utilisés dans la construction de nos habitats et l'abandon en partie. Intéressant. On continue. On va aller là-bas, au numéro 4. Le numéro 4, le Celsius. Le Celsius de Mike Combé, architecte. Donc, il réinterprète l'abri inuit traditionnel avec des puits de lumière zénitales. Donc, il reprend les caractéristiques du refuge primitif. L'énergie solaire passive et active. Voilà à quoi ça ressemble. Ok, maintenant le numéro 5. Alors, le numéro 5, alors c'est très simple. Blue is the New Green de Dale Coles, qui est une installation hivernale qui invite le public à vivre la nordicité en habitant, un paysage qui se module et change au gré du mercure. Voilà, composé d'un collectif formé par le froid, la pluie, la neige, le vent et les sapins du temps des fêtes. Ok, on continue, donc on a ici, alors numéro 6, Team Penguin,
s'inspire, je vous lis, s'inspire de la chorégraphie des manchots pour réchauffer les participants du village. C'est assez rigolo. Est-ce que tu peux me filmer pour la team pingouin? Alors, je vais pour vous, je vais faire le là on voit. Je vais faire pour vous le chemin des pingouins. Voilà. Voilà. Donc, merci à mon caméraman. Donc, c'est pour que, alors, les manchots se blottissent les uns contre les autres en tracé circulaire de façon à ce que chacun puisse à son tour se retrouver dans la chaleur au centre du peloton et aussi passer en périphérie pour protéger le groupe du blizzard. Voilà, voyez, d'où l'intérêt de faire tout ceci. On continue et on va... Cette fois, au numéro 7, Nord-Tiède, le clan Contente. Le clan Content. L'habitat nordique, pris entre deux états, entre l'eau et la glace, il nous paraît loin, inaccessible, beau ou pas tant. Dans la cabane, l'eau s'est infiltrée, la maison risque de sombrer, le temps s'accélère et nous on gèle. On fait quoi? Peut-on mettre à pause? La maison penchée nous rappelle notre propre impermanence. Notre reflet disparaît, urgence ou pas tant. Intéressant. Et voilà. Nous allons rentrer cette fois. Alors il y a des écrits, je ne sais pas si vous voyez, entre l'eau et la glace, figé. Notre reflet disparaît, urgence, qui est écrit en fait là. Voilà, donc avec... Parce que vous allez voir. Comment ça? Une table. Mais non! Où il y a écrit en fait, on fait quoi? Bah oui, on fait quoi? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, c'est très simple. On va y lire le plus. Alors, ça n'est pas tombé. L'igloo qui nous a le plus inspiré. On a loupé le numéro 2, les amis. Le numéro 2, alors, c'est l'igloo de Lascaux. Oui. Donc le design par Judith Portier. Et donc, qui aurait l'igloo donc, de Lascaux à l'image du magma volcanique qui aurait refroidi sous zéro en créant une forme minérale surprenante. Qui invoque votre créativité. Dans cet igloo de l'âge de pierre où les outils de gravure sont posés à même le sol et où chacun est invité à s'exprimer directement sur les murs. Allons voir. Bonjour. Hey, veux-tu danser avec moi dans mon igloo? Tiens, viens. Pas grand-chose. Hey, non, ça va. Danse avec moi. Ça va. Ça fait 20 minutes qu'on est là, nous avons rendu. On danse? D'accord. Danse avec moi, là. Je fais que passer. Ça, c'est cool. Hein. C'est cool. C'est sympa, ouais. Non, mais j'ai ton nom. J'ai ton nom dans mon église. Ça, c'est dit, il n'est pas méchant, sauf que toi. Oui, non, mais il y a pas de soucis. C'est qui son nom? N'importe où, okay. Même dehors. N'importe où, tu peux. Alors, on écrit le nom. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, non, ça marche pas. Essaye de trouver un spot où sinon il y a. Ça marche pas, hein. C'est cool, hein? Grand ou tu te plaignes sur le petit. Non, ça va. Non, c'est rigolo. Tu peux
C'est intéressant comme concept. On voit rien des amis d'ailleurs. On gèle pas ici. Non, pas du tout. Pas du tout. Il a trouvé son spot. Bonne soirée. Bon, on a eu des touristes un peu. Pas des touristes. Des voisins un peu spéciaux. Alors, donc, bah écoutez les amis, j'ai envie de vous dire, dur hein, finalement d'élire entre toutes ces créations. Moi j'aime bien, je pense, les pingouins. C'est pas vraiment un igloo, mais j'aime bien le concept de reproduire ceci. Et un peu aussi, surtout, ben, le numéro 1, là, je suis devant le numéro 1, vous savez, la personne, le gueux qui sourit comme ça, qui représente la camaraderie, et qui en fait incarne en un personnage sympathique dont les humeurs évoluent en fonction des visites des participants. Je trouve que c'est pas mal. Alors, pourquoi je vous explique pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, là, on peut tourner les choses, les éléments. Vous voyez ça? Ça se tourne. Et là, je le rends happy. Voilà, en gros. Donc, je vais élire Charlie le Yeti. J'ai dit Charlie le Yeti, que je trouve intéressant en termes de concept. Voilà! En direct d'Igloo Fest. On ferme la porte. Je vous dis donc à bientôt. Et on ne voit plus. On voit plus. Ça rappelle peut-être un film pour certains. Et je vous souhaite une agréable soirée. Bye. En direct de Montréal. Bye, les amis.